Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Salam, salam. Donc aujourd'hui le concept il est assez spécial. On va devoir manger ce que la personne devant nous mange. Pas de triche, pas le droit de faire des trucs bizarres. On va essayer de faire le challenge à 100% aujourd'hui. Moi je suis pas là, je sers à rien. Vous voulez que j'y aille, c'est ça? Vas-y, va, t'inquiète, va, t'inquiète. Okay, vas-y, t'inquiète. On peut pas manger les gars, dites pas on est méchant, on est gentil. C'est juste que lui, il y mange du quinoa. On va prendre le petit déjeuner, une petite boulangerie. Check ça. J'ai faim. Les amis, pour le petit déjeuner, on a décidé de s'attaquer à une boulangerie et pas n'importe laquelle. C'est une boulangerie, c'est une des meilleures de Paris, la famille. J'espère vraiment qu'on va tomber sur une mère de famille qui va prendre des goûters pour ses enfants, des pâtisseries, des gâteaux. Des trompe-l'œil. S'ils viennent pour une baguette, j'aurai trop la rage, les gars. En plus, on a mis une heure à se garer, c'est-à-dire si on met une heure à se garer pour une seule baguette, moi je crie. Allez, venez, on y va. Allô, la boulangerie? Je sais pas. Oh non, j'espère qu'ils ont pas fermé. Il y a des pâtisseries de zinzin, mais il n'y a pas de clients. Bon, vas-y, on va voir. Ah, si, il y a des clients. Regardez ce qu'il y a, la famille. Des gâteaux, des tartes aux fraises. Des trompe-l'œil. Ça va être incroyable. Et j'espère vraiment. Regarde, c'est qui? C'est un papa, je crois, qui est devant. Non, c'est. Ah non, c'est. Ouais, c'est un papa. J'espère qu'il va acheter pour toute sa famille. Moi, ce que j'aimerais bien avoir en vrai, c'est les trompe-l'œil. Oui, lui, là, regarde. T'as déjà vu des cookies comme ça? C'est des cookies pistaches. C'est dingue. Eh, est-ce que vous connaissez? C'est une tablette de chocolat à la pistache, à votre avis, est-ce qu'ils la vendent? Ah oui, il y a une nouvelle tablette de chocolat à la pistache, les gars. Genre, c'est tablette de chocolat, pistache, tablette de chocolat. C'est une masterclass. Avec du coulis de pistache. Incroyable. On va voir les autres gâteaux qu'il y a. Waouh, regarde-moi ça. Incroyable. Oh, ils ont même les New York Rolls. Oh. Et tu penses que la dame, elle va nous reconnaître ou pas? Je sais pas, je pense pas, elle va nous reconnaître. Eh, vous imaginez, elle nous reconnaître. Oh mon dieu, Maxi Kinder. Par contre, j'espère que vous allez pas avoir une baguette. Oh non, s'il vous plaît, touchez pas une baguette. Vous imaginez, elle nous reconnaît, elle nous met des trucs en plus. J'ai trop ragé si elle met une baguette. Je vous promets, je vais trop rager. Oh, regarde la taille des croissants. Téma, je peux faire de la moto. A few moments later. Moi voilà, finalement, c'était la madame. Elle a plein de sacs. Pourquoi t'es dégoûté? Parce qu'elle a pas pris de trompe-l'œil. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, elle a pris pour tous ses petits-enfants. Et il y a plein de sacs, c'est une dinguerie. Ah non, je crois que c'est que du pain. Ça se trouve, c'est que du pain à congeler. Ça se trouve, c'est du pain qu'elle va congeler pour un mois. 3 plats au chocolat et 2 plats. Oh là là. J'ai peur, les gars, ces 24 heures vont être terribles. C'est la mauvaise personne. Mais c'est pas de ma faute, moi je respecte le challenge. Tu veux que je te dise quoi, frère? En plus, il pleut. La dame devant, elle a pris des trompe-l'œil. Mais c'est pas de ma faute, Myriam. C'est ça le challenge. Je n'ai pas la rage. Allons, on y va. Ça se trouve, il y a des bons trucs, regarde. Le sac, il est fourni. Ça se trouve, c'est que du pain, tu veux que je te dise quoi? Ça se trouve, c'est que du pain de mie. Ça se trouve, c'est que du pain complet. Ça se trouve, c'est même pas, il n'y a même pas de pâtisserie. Les pâtisseries, normalement, c'est dans une boîte carrée. Le petit déjeuner est arrivé. C'était une mamie, la famille. Elle a pris pour toute sa famille. Et d'ailleurs, nos mamies, c'est les meilleures, on les kiffe. D'ailleurs, moi, à chaque fois, je vais chez ma grand-mère, elle me donne du zéro. C'est incroyable. Mais vous êtes au courant que là, ce que vous avez commandé, c'est sûrement que du pain, là. C'est des sacs à pain. Mais n'importe quoi. On va commencer par le premier sac. Ok, premier sac. En vrai, attends, petit déjeuner, vous espérez quoi, vous? Moi, je veux croissant, pain au chocolat. Et toi? Moi, j'espère trompe-l'œil, profiter. C'est incroyable. Il y avait des pâtisseries de zinzin. Ok, vas-y, vous allez découvrir votre. Oh! Mamacita, regarde. Ouh, les petits croissants. Incroyable. Mais il y a combien de croissants? Attends, mais là, vous en avez pour. Ouais. Mais franchement, les mamies, je vous aime. Trop, là, va un repas de famille. Parce que les mamies, ils pensent à leurs petits-enfants. Du coup, on va goûter le croissant de Maison Gébran. Bismillah. C'est tellement bon. Vous sentez le beurre? T'as vu comment c'est beurré? C'est tellement fondant, les gars. Mais ça fait pas partie de mon top 5 des pâtisseries. Je préfère vous le dire. Ouais. En plus, pour un petit déjeuner, les gars, que ce soit la mamie, elle avait un dîner de famille ou un truc comme ça, ou alors elle avait invité ses petits-enfants. Et le sachez matin. Que ça, quand tu vas dans tous les pays en vacances, ils essaient de le faire, mais ils arrivent pas à faire comme la France. Ouais. On est intestable en France. En fait, le pain, il est fait d'une manière bizarre en France, et du coup, les gens, ils arrivent pas à recopier. Bizarre, tu sens, bizarre. Trempé dans un. Bon, on va continuer, Myriam. Découverte des autres sacs. J'ai dit, ça va pas être si compliqué que ça aujourd'hui. Ouais, hein. Ouais. Ça va être carré. Au final, je pensais qu'il allait avoir du pain, mais ça va. Ouh, ça c'est du pain, c'est sûr. Pain ça, c'est au du chocolat, pain au chocolat, pain au chocolat, je kiffe. Ouh. Oui, oui, merci, mamie. Oh là 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 là. Oh, vous êtes bien. Ah, merci, mamie. Je pensais que c'était du pain, mais en fait, bismillah. Wow. Ils ont pas fait les radins de chocolat, regardez, il y a grave du chocolat dedans. Il y a 2 barres de chocolat. Vous lui mettrez combien sur 10 ce pot au chocolat? 10 sur 10. Est-ce que c'est l'un des meilleurs que vous avez mangé toute votre vie ou pas? Oui, il est bien mou, tu vois, il est pas dur. Et franchement, entre un pain au chocolat et un croissant, pour ma part, il n'y a pas photo. Le pain au chocolat, il réhabite tous les jours. Mais pourquoi ils font pas des croissants au chocolat? Ça peut être incroyable. Mais il y en avait, t'as pas vu qu'on a filmé? Ouais. Il y avait de la pistache, il y avait de la fraise, de la framboise. Par contre, la mamie, elle a l'air de prendre que des classiques. Hein. Alors, c'est quoi les goûts? Ça se trouve, elle a vu un trompe-l'œil, elle a cru que c'était un vrai fruit. Le monde est méchant. Pourquoi tu respectes pas les mamies comme ça? J'ai encore 2 sacs. 2 sacs. Eh, hey, mais finalement, il n'y a pas de pain. Enfin, j'espère. Ici, nous avons. Ça peut être des petits pains. Tu penses que ce sera quoi?
Des petits pains. La gars, vous pensez que ce sera quoi? Des sucettes, des bonbons? Oh! Les mamies, ils commandent pas des bonbons. Oh! Vas-y pour leurs petits-enfants. Des chouquettes! Ah, les chouquettes. J'aurais jamais pris ça. Moi aussi. C'est quoi des chouquettes? C'est quoi ça? Bah, avant, tout le temps, je demandais à maman, ouais, maman, est-ce que tu peux m'acheter des chouquettes à la boulangerie de grand frère? C'est pas des choux-fleurs. Non. Ça se mange en une gorgée. Non. Normalement, c'est aux amandes un peu, non? Voilà. Non, pas du tout. Ah ouais? En fait, c'est une pâte de pain au chocolat avec des billes de sucre. Regarde, c'est des billes de sucre. Ah, ok. Attends, mais mamie, et mamie, je vous aime, hein, mais c'est le pire petit déjeuner que tu peux donner à un enfant. Il n'y a que du sucre. Ça va te faire un bide. Et une heure après, t'auras faim. Le mieux, c'est que ça glisse. Genre, c'est pas bloqué comme les trucs. Non, franchement, ce qu'on va avoir ici, nous allons avoir un trompe-l'œil. Non, mais c'est impossible. Aïe, ils ont combien des chouquettes? Non, elle est restée classique, parce que j'avoue, ils ont 80 ans, eux, depuis 80 ans, ils font des pains au chocolat, des croissants, des chouquettes, elle est restée dans le classique. Donc en vrai, une note de 1 à 10 à votre petit déjeuner, là, pour l'instant? 9. Moi, franchement, je m'attendais à pire, je m'attendais à que du pain, aussi, des tartines parce dures, bien dur, du pain dur. Donc là, je vais mettre 8. 8, c'est carré. Pour continuer la famille, on a décidé d'aller au Quick. Je suis avec Myriam. Oh les gars, regardez, c'est une voiture de famille, ça c'est une voiture de père de famille. On espère, Inch'Allah, qu'elle a 6 enfants. Elle prend 4 menus, 6 glaces, 6 paquets de frites. Elle prend grave des menus enfants. Parce que les gars, je vais me rapprocher d'elle. On est d'accord, c'est une voiture de famille. Normalement, ils ont plusieurs enfants. Ouais. Normalement, ils doivent prendre une méga commande parce que là, j'ai la dalle. Mais c'est peut-être un père de famille rebeu. Ouais, parce que j'ai vu des lunettes. Il y aura peut-être que des menus enfants. Ah non, j'ai vu, il y a un petit dans la voiture. Non, non, oui, mais les pères de famille rebeu, Myriam, ils sont sur les économies. Économie avant tout. Donc, il est capable de prendre qu'un seul menu enfant et dire lui, non, moi, j'en veux pas, je veux pas de menu, mon fils. Prends juste un menu enfant. Oh non. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être long, les mecs? Est-ce qu'il va dire juste un seul menu? Et par contre les gars, mon père il nous a demandé un menu, du coup ça compte pas dans le truc. Ah oui, mon père il a dit vous allez au Quick, ramenez-moi un filet aux fiches. Oh, il y a des grandes personnes. Ah, il y a des grandes personnes dans la voiture. En plus il y a des nouveaux menus suprêmes, le goût en grand s'il vous plaît. En tout cas les gars, ça fait au moins 6 minutes il est en train de commander. J'espère il prend tout le restaurant. Ah les gars, vous avez entendu les cris, c'est les tacos qui ouvrent. Et j'ai le stress. Oh, il y a grave du monde. Il y a grave des jeunes, je voulais filmer, il y a un otakos qui ouvre. S'ils nous voient, on est finito. Ça va être une rencontre abonnée. Bonjour, je vais prendre exactement la même chose que la personne devant moi, s'il vous plaît. D'accord. Du coup, ce sera un menu... Bah du coup, oui, c'est ça. Tout pareil, et juste, je vais vous rajouter un menu filet aux fiches, s'il vous plaît, avec frites et eau. Du coup, ça vous fera 20€ de 10, je vous laisse avancer en dernière tête, s'il vous plaît. Voici 20€, frère, il a pris qu'un sandwich. Ah là, le monde est méchant, le monde est mauvais. Mais d'où tu viens au Quick? What? Il y a grave des abonnés. C'est, je sais pas si c'est des abonnés. Oh là, c'est pas que je vous aime pas. Oh là, je vous aime. Mais si s'il y en a une, moi je suis mort. Puis du bail, il est grand comme ça, il prend qu'un menu à son fils. Faut arrêter. Là, tu viens pas au Quick pour un menu. La commande est arrivée. Vous voyez nos têtes, on est un petit peu dégoûté parce que les papas rebeufs, faut qu'on vous passe un message. Arrêtez de faire tout le temps des économies. Vous rendez ouf. Dépensez un peu d'argent. Donnez un peu d'argent. Prenez pour vous des sandwichs. Pourquoi chaque fois vous dites, ouais, je veux pas manger dehors, c'est sale et tout. Faut manger dehors aussi, c'est bon. C'est comme ce que vous faites chez vous, c'est la même chose. Le soir, vous mangez des glaces et après, Zahama, vous voulez pas manger dehors. On va voir ce qu'il a pris, monsieur. Le sac, il est bas de petit. J'ai grave le. Attends, c'est moi qui ouvre le premier truc. Tiens. Premier paquet, qu'est-ce que c'est? Des frites et des potatoes. Des frites et des potatoes. Pourquoi vous faites ça? Vas-y, goûte. On est obligé, c'est le challenge. Il a pris des potatoes, c'est 1,50€. 2€ pour faire des économies. T'es une dinguerie. Pourquoi? Bismillah. Au moins, les potatoes, ça va nous réconforter. Par contre. Moi c'est pas chaud. Ah, t'as pas la ventilation dans ta bouche? Franchement les reilles, les potatoes, je préfère les potatoes aux frites. Regardez, c'est bien gros, bien grand, ça cale, croustillant avec une bonne. Est-ce qu'il a pris des sauces le monsieur? Attendez. Y'a pas de sauce? Non. Y'a une frite? Non. Tu me dis pas qu'il a fait des économies sur les sauces le monsieur? Ça c'est un papa. Mais. Attends, excusez-moi, faut pas que je le mange. Je t'ai dit, vous voulez trop faire des économies. C'est un truc de fou. Regardez le burger qu'il a pris à son fils. Il a pris le moins cher. Le cheeseburger. Faites-vous plaisir. Mangez dehors quand il faut manger. Pas tous les jours. Et quand tu vas manger dehors, fais-toi plaisir, mon rey. J'ai chaud de nerfs. Ah, je suis dégoûté. Ouais. Et moi, bismillah, moi aussi, parce que aujourd'hui, ça va être la misère. Bismillah. Moi, je prends jamais de cheese. Parce que je trouve que ça manque d'agrément. Tu vois, c'est juste ça du manque steak. D'oignon. C'est juste du steak. Et du fromage. Mais j'aime bien celui-là de Quick parce qu'ils en ont mis deux. Ouais. Moi, il passe très très crème. Je mettrais la note de 8,5 sur 10. Ah, il y a un oignon. Regarde, il y a un oignon. Hein. Ça sert à rien de dire ça à moi. Il n'y a plus rien. Je crois que la commande, elle est finie, frère. Ça, c'est quoi ça? Il a pris quoi? Et ça, c'est pour lui. Le papa, il a pris ça pour lui. C'est une blague. Il a pris deux cheeseburgers, les burgers les moins chers. Lâchez l'argent, lâchez Drahem, lâchez. C'est les mêmes. T'as le même goût. Goûtez. Il y a une autre sauce? Ouais.
il y a une autre sauce dedans. Eh mais ça c'est une astuce de rat, il a payé que 10 euros. J'avoue, c'est une dinguerie, il a pris potatoes, deux burgers, une boisson, il a payé 10 balles. En fait, c'est... Non, en fait, c'est un génie de l'économie. On va voir s'il reste des trucs ou pas. Il reste un long fiche. Papa, je l'aime bien. C'est mon papounet, t'as vu, mais... Papa, aujourd'hui, c'est la crise. On mange ou pas? Non. Juste ça un se fait pas. Tu as une toi, tu dis à papa, ramène-moi un truc et tu vois ton truc, il est croqué. Regardez là. La sauce, regardez-moi cette sauce. Hier, feuille, ciseaux. Yes, bismillah. Papa, t'inquiète, c'est la famille, on partage tout. Papa, ça, c'est à cause de l'autre. Il va au quick et prend deux cheeseburgers. Je m'installe pour parler. Le burger est incroyable. Regardez, j'en étais sûr. Il a pris des sauces gratuites. C'est sûr, c'est du iced tea. C'est du cola. Ah, il a pris du Coca-Cola. Mais normalement, vous ne pas boire du Coca. Et regardez, il n'y a plus rien. Vas-y, Mirabel, tu peux m'en laisser. C'est vert, faut y aller. Hey, tu vas pas tout finir le premier quand même. Pourquoi t'as surprise encore? Myriam, il n'y a plus rien à manger. Je mange quoi? Du Coca. Tu vois, il y a un sac plastique à tes pieds là. Ça. Le noir là, vas-y, oui. Prends-le. Oh, merci. Mon grand frère préféré du monde entier. Mais mon grand frère, merci. Et tu m'as tout mangé, mon hamburger. Mais je savais pas que c'était ça, moi. T'es contente, t'as ton iPad? Eh les gars, je suis grave contente. J'ai eu mon iPad et mon stylet, regardez. T'as vu, je t'ai pris rose. Tu valides rose? Bah ouais, rose, je valide de fou malade. Elle est grave, bah, Yassine, t'en passes quoi? Toi, t'avais perdu dans le cercle, désolé, t'avais perdu. Elle coûte combien? Bah 500, elle avait gagné 500. Ah bien. T'es bien, t'as une tablette, t'es bien, toi. Moi, j'ai quoi, moi? Mais ça, c'est payant, il m'a fait obtenir un truc payant. Moi aussi? Oui, allez, tiens. C'est quoi? Tu prends le sac, tu renverses tout sur le fauteuil. T'as du quinoa pour toute la vie. Si vous voulez faire plaisir à Yacine, vous lui achetez du quinoa au naturel. Moi j'aime bien manger ça, hein. C'est bon le quinoa les gars. Moi j'aime bien, merci. Hein. C'est bon, tout le monde est content? Tout le monde est content. J'ai envie de passer dans son arbre. Je les mets où? C'est rigolo, ça c'est ta réserve. Il a acheté 100 euros de quinoa. C'est ta réserve personnelle. Il a acheté 100 euros de quinoa, mais je les mets où? C'est pour ton plaisir, Yacine. Au moins tu vas pas mourir de faim. Je les mets où, Younes? Mais moi j'ai faim. Hein. T'as faim? Ben on va y aller là. Prochaine dégustation, calme-toi, il range son quinoa. Oh, Myriam, ne triche pas. Non. Un numéro que tu. 10. 10, ok. 1, 2, regarde pas, regarde. 10. Mais okay. J'ai un autre numéro. Un autre numéro, ok. 9. Maintenant, on peut pas se foutre quand même. Mais je rigole, je tombe sur des légumes. 9, 10, 11. Oh, ok. Younes, un numéro entre ce que tu veux. Les gars, c'est R7. Numéro 7. 7. Ouh. Ouh. Numéro 9. 4. 1, 2, 3. Allez, nous, bébé. Un bon truc. 6, 7, 8, 9. Ouh, pas où? Oh ouh, non. Ouh. Oh, la commandée là, par contre, on a eu un problème. Monsieur Fast Good Cuisine Pépé Chicken est fermé. Tant pis pour toi, j'ai été chez la concurrence, tu perds de l'argent. Et moi alors? T'as vu quoi avec son pyjama? Bah, moi aussi j'ai le droit de manger, non? Yassine nous avait dit de prendre du poulet, on commence par ce sac. Nous avons bien évidemment des frites. Ouh! Des mozzastiques. Ouh! Le poulet! My poulet. Oh. Attendez, mais c'était pas ça la commande. Fiche. J'ai une explication. Monsieur Fast Good Cuisine, je t'ai dit c'était fermé. Tant pis pour lui. Un vrai poulet, un vrai. Wow. Lui c'était le papa et lui c'était le fils. C'est quoi ça? Non, vaut mieux pas que je vous le dise. Non, montre-moi. Non, c'est bon. Vous avez qu'à deviner en commentaire. C'est une feuille de brique. Le mec là. Mangez. Ouais, la vente dessert. Dis calme-toi. Vous pensez que c'est la crêpe quoi? Ça, c'est la crêpe salée, mec. Wesh, pourquoi il y a une boîte de grec? Oh, la chance. Oh, je laisse pour la fin, vous allez péter un câble. Et jusqu'à la fin de la vidéo, c'est n'importe quoi. Moi, perso, ce qui me donne le plus envie, c'est la crêpe. Oui, je vais demander à Mirab de faire un premier croc. Allez, les gars, à l'intérieur. Elle est pas grande, la crêpe. Il y a des champignons. Est-ce qu'il y a du pétrole dedans? Non, il y a des champignons. Wow. Moi, je me rappelle la dernière fois que j'ai mangé ça, c'était... Le mec là. Mangez. Oh là là. Genre, attends, c'est quoi? C'est farine, œuf, lait normalement. Mais pourquoi moi, ça fait pas comme eux? Si j'arrive à faire ça, je me fais des crêpes tous les jours. Doucement, frère, doucement. Ah, on dirait des œufs à la crêpe, on dirait même pas une crêpe. Ah ouais, il y a des œufs, regardez. Incroyable. Après, t'as la dent qui vient caresser la gorge. Ouais. Allez, les gars, quand vous allez au quick, au fast food et tout, prenez pas des trucs à 5 euros, prenez des trucs comme ça. En plus, l'argent, on va la prendre nulle part. Prenez, dépensez de l'argent quand vous allez un petit peu. C'est une dinguerie. Prenez des menus à 3 euros, mais pour aller ça. Où? Regarde comment c'est beau, regarde, c'est beau. J'ai envie de lui faire un salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, moi, c'est Younes. Bismillah. Hey, Younes, une question. Oui. Tu préfères la viande ou les gâteaux? La viande ou les gâteaux? Ouais. En vrai, je me dis, les gâteaux, je peux pas en manger en illimité. La viande, tu vois, je peux manger en illimité. Les gâteaux. Plutôt le salé ou le sucré? Yassine, est-ce que j'ai dit bismillah? Je sais pas, redis-le, on sait jamais. Bismillah. Quand vous oubliez, il faut toujours dire ça. Eh, le poulet, il est exceptionnel, les gars. Je crois que c'est mieux que Pépé Chicken, c'est pas la même chose. Ouais, il a insulté Pépé Chicken. T'as insulté Pépé Chicken. Ils sont fermés, c'est fermé. Il va se dire quoi pour se défendre? C'est fermé. Et alors, c'est le mec là, mange et mange. Bah, peut-être il est en train de faire des vidéos YouTube. Bah, je peux rentrer le désert du coup. Vas-y, montre. Déjà, ici, on a. Ça, c'est de la chantilly. Ouais, c'est de la chantilly. Ok, et là, il y a une boîte de grec. J'allais manger des frites, les frères.
Ah ouais, les frites, c'est vrai, toi t'es pas trop frites, de toute façon, t'avais déjà dit que t'étais pas trop frites. Ok, bon, regardez. Du coup, c'est quoi le dessert? Attends. Crêpes avec du Nutella et des Kinder Bueno. Non, mais je vais. On a lu cette vidéo, comment ça? Eh hey, Myriam, je te demande de faire le croc parfait avec le Kinder Bueno, le Nutella et la gaufre. Ok. Oh là 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 là, bismillah. Ça, c'est le rêve de tous les enfants, ça. Pas que tous les enfants, tous les adultes aussi. Eh hey, les gars, la gaufre, elle est incroyable. Les gars, la gaufre, elle est grave molle. Alors, de base, vous voyez, la dernière gaufre que j'ai mangée, elle était croustillante. Mais est-ce que c'est du Nutella qu'ils ont mis ou alors de la pâte à tartiner bizarre? Eh hey, toi, je te connais, toi, arrête de regarder la gaufre, tu te mangeras pas. Hein. Non. Je veux que je fasse Wallah le serment. Que je ne mangerai pas de gaufre. Voilà, merci. Wallah que je ne mangerai pas de crêpes. Merci. C'est du vrai Nutella. Et est-ce que tu préfères le sucré ou le salé du coup? Allez, il y a le pépé chicken, il y a les crêpes en sucré, il y a des crêpes, il y a des gaufres comme ça. Attends, je vais te refaire un dernier focus parce que regardez-moi ça, les amis. Oh là là, est-ce que tu peux prendre ça? Waouh. Le mec là, mangez. Et maintenant retape un croc. Mangez, le mec. Je veux que tu prennes tout. Oh là 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 là. Moi aussi, je le vois, alhamdoulilah, on est heureux, en bonne santé. Vive la France, vive la République. Regardez les gars, il est bien orange, il est bien blanc. N'oubliez pas de mettre un like les gars, c'est très important. Ah, si vous avez kiffé le challenge. Le drapeau du poulet, c'est blanc et orange. Décale-toi. Je suis pas gros. Mais décale-toi. Tu me trouves gros? J'ai pas assez de place. Eh, vous faites trop de bruit là, laissez-moi regarder ma série Netflix. Est-ce que vous me trouvez gros? Mais pose pas des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre. Ah, la vérité. Vous me trouvez gros? Pose pas des questions auxquelles on veut pas répondre, Yasmine. Mais... on a passé une bonne journée et moi, mon préféré, c'est quand on a mangé la crêpe au chocolat. Moi, c'était au Quick, c'était grave marrant avec le papa avec sa voiture de famille. Il a acheté qu'un hamburger. Non, mon moment préféré, c'était la dame là, quand on a commandé les chouquettes là. D'ailleurs, la famille, dites-nous dans quel autre fast-food vous voudriez qu'on refasse ce challenge là. Oh, il y a un Otaku en plus qui a sorti il y a pas longtemps. Enfin, si, quand même, il y a longtemps. Si vous avez kiffé, mettez 5000 likes, abonnez-vous. Pourquoi 5000 likes? Pourquoi vous dites 5000 au moins? Allez, 5005. Allez, vous mettez tous un like et ça fait l'affaire. Allez, voilà, mettez tous tu un like. Tu mets un like, sinon je te retrouve.